Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo challenge, puisque c'est Instagram qui va décider, contrôler même ma journée pendant 24 heures. Et indirectement, du coup, vous, derrière votre écran, ceux qui me suivent sur Insta vont répondre à chaque petit sondage que je vais afficher en story. Et les sondages vont permettre en fait de contrôler mes actions, mes choix durant toute la journée. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est sur ce réseau où je vous sollicite le plus. C'est sur Instagram que tout se passe. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si vous voulez, pour les prochaines fois, vous aussi participer et interagir à travers la vidéo. Je ne parle pas plus longtemps. On commence de suite. Premier sondage, c'était le réveil. Bien entendu, vous n'avez pas été très tendre. Moi. Donc j'ai joué le jeu, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer sur mon téléphone. Il est 7h01, mais le temps que j'installe ma caméra, que mon micro, etc., que je fasse 2-3 prises pour l'intro, on arrive à 7h. Mais je me suis levée à 16h45, promis. Il y en a, vous êtes trop mignons, ils m'ont envoyé des messages en mode oh, 16h45, c'est trop tôt, t'aurais dû mettre autre chose. Moi j'ai voté 8h30. Mais vous inquiétez pas, ça bouscule aussi un petit peu mes habitudes. Avec Victor, on travaille à notre compte. C'est rare qu'on mette des réveils le matin. Après, on se réveille jamais hyper tard, jamais après 9h par exemple. Mais c'est vrai qu'on aime bien dormir le matin et puis après le reste de la journée être très efficace, voire travailler jusqu'à très tard le soir. Mais on ne met pas de réveil, à part si on a des rendez-vous importants, voilà, on doit partir quelque part et du coup il y a un train, un avion à prendre de bonne heure. Mais sinon c'est vrai que le matin c'est chill. Donc là, le réveil est un peu piqué, je vous cache pas, mais en même temps ça fait du bien parce que je vais pouvoir faire peut-être plus de choses ce matin. Donc du coup, deuxième sondage, je vous ai demandé le choix du petit déjeuner. J'avais le choix entre café, matcha, petit déj healthy ou petit déj gourmand. La majorité des votes pour le petit déj gourmand. Bon et bah let's go pour un petit déj gourmand. Deux louloutes courent vraiment fort, donc je m'attaquais à leur petit déj avant. Oui. Hop. Une pour Whitey. Oui. Pour Skyunette. Bon, c'est bon, petit déjeuner terminé. On va aller enchaîner la tenue de sport. Vous avez sélectionné en majorité la bleu ciel de chez Ocean Zappa. Alors, tenue bleu ciel, du coup, on part sur un jean comme ça. Je commence à avoir peur. J'ai regardé le sondage il y a 2 minutes. Je pense que ça va être parti pour un run. Vous êtes en majorité à avoir voté pour le run. Ça se joue entre le sport à la maison et le run. C'est le jeu. Petite brassière aussi bleue. J'allais m'habiller, je vous retrouve juste après. Tenue de sport enfilée, on passe à la coiffure. Petit run de 3 km, j'essaie de marcher. J'ai beaucoup marché aussi, j'avoue, j'ai fait courir, marcher. En fait, avant-hier, j'ai fait 7 km et c'était une reprise, genre j'avais pas couru depuis un petit moment. Sous la pluie, dans le froid, il y a personne à la forêt, en plus c'est un peu glauque. Avec la musique, c'est vrai. Et on va aller bosser. J'ai pas mal de choses à faire. Il est 9h22, il est pas tard du tout. Je vais avoir le temps de bosser, gérer mes mails et tout. Allez, on rentre à la maison. On se retrouve dans ma voiture. Je vous ai posté un petit sondage juste avant de partir courir. Je vous ai demandé quelle couleur d'ambiance vous choisissez pour la voiture. Et vous avez choisi le violet. A été élu en majorité. Donc du coup, voilà ce que ça donne un petit peu pour la lumière d'ambiance. Retour à la maison, on va prendre une petite douche, on va se changer. Du coup, je vais vous poster le petit sondage pour savoir comment je m'habille, comment je me coiffe et comment je me maquille. Oui, aujourd'hui, vous décidez vraiment de tout, presque. Mais beaucoup de choses en tout cas. C'est parti, on se retrouve à la maison. Bon, voilà la petite tenue du jour.
J'ai posté un petit sondage pour savoir quelle tenue vous préférez parmi les 4 propositions que je vous ai faites. Du coup, en majorité, ça a été la 3. Donc, petite chemise, jean, tout simple, basique. Donc, je l'accessoirise. Puis voilà, faut imaginer avec une petite paire de chaussures, un petit sac, bien coiffé, maquillé et tout. Et justement, en parlant de maquillage, ne faites pas attention, j'ai une tache. Sky a posé sa patte toute seule sur moi, du coup, j'ai nettoyé. Et en parlant de maquillage, ça tombe bien parce qu'on est dans ma chambre, devant ma coiffeuse, et on va passer au make-up que je vous ai bien entendu laissé choisir. Je vais vous montrer avec quoi je filme quand même. Voilà ma petite caméra et là j'ai mon gorille à pâte qui est assez pratique. Je peux le manipuler en fait assez facilement et le fixer partout. Je vais essayer de le mettre là. Avant je vais en mettre un petit coup. Et voilà, make-up terminé. Je filme avec mon téléphone parce que je suis en train de recharger la batterie de mon appareil photo en même temps. Je voulais en profiter pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Maybelline. J'ai la chance tous les mois de recevoir leurs nouveautés et je vais vous présenter du coup quelques produits avec lesquels je me maquille quotidiennement. C'est le make-up vraiment que j'utilise au quotidien. Mais on va retrouver la plupart des produits Maybelline. Donc ce mascara là, l'ancien, j'en ai reçu un nouveau qui est tout dans le fond là. Testé et approuvé encore et encore et encore. Je viens utiliser en premier souvent, c'est celui-ci, le Sky High, pour donner une bonne longueur à mes cils. Le Curl Bunch qui va me permettre lui de courber mes cils au maximum. Le Sky High en couleur noire, comme ça je vais vous montrer. Je vais brosser mes cils comme ça pour allonger un peu mon regard et donner cet effet un peu yeux de biche. Et celui-ci, en fait, j'aime bien l'utiliser pour faire un effet plus fourni à mes cils. Mais je ne le mets pas tout le temps. Je le mets vraiment quand je veux charger un peu plus mes yeux, mes cils, donner un effet un peu plus fossile. Celui-ci, c'est le concealer numéro 1 que je vais venir utiliser vraiment pour corriger les petites rougeurs, les petits défauts, les cernes, etc. Et ensuite, je vais venir mettre celui-ci après avoir mis mon fond de teint pour donner cet effet vraiment glowy. Vous voyez, un peu plus lumineux sous les yeux, etc. Je vais l'utiliser aussi ici. Et au niveau de mon menton et de l'arête de mon nez. Chose que Maybelline m'a envoyé que j'ai pu tester encore et encore. Ce sont leurs petits lipsticks effet mat. Quand je vous dis que j'en ai tout un tiroir, je ne mens pas. J'ai reçu vraiment toute une collection. J'utilise souvent les tons nude, donc ça tombe bien. Celui-ci, je l'utilise du coup pour venir faire un peu du contouring. Donc je vais venir l'appliquer juste avant ma poudre pour retracer au niveau des pommettes. C'est très léger. Là, je vais venir en fait redessiner à l'aide de ce petit embout-là. Et je vais venir en fait refaire un peu, redessiner un peu les ombres sur mon visage. Je me suis aperçue que je vous ai pas montré aussi la petite touche gloss. Il sent bon, il est brillant, il est hyper facile à appliquer. Si je brille un peu, c'est parce que j'ai mis un fixateur pour fixer le maquillage. Je vois pas trop ce que ça donne derrière. C'est la coiffure qui a été vue par la majorité d'entre vous sur Instagram. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce type de coiffure là, mais écoutez, j'aime bien. On se retrouve maintenant dans mon bureau. On va aller bosser. Je peux pas vous laisser décider pour moi pour le coup, mais par contre je peux vous laisser choisir la priorité des tâches que j'ai à faire. Là par exemple, je vous ai demandé qu'est-ce que je devais faire en premier. Tourner Réel Sport Chine. Donc ça, vous avez été en majorité à me demander de tourner le Réel Chine. Bon, donc je m'occupe aussi du fond vert. Avant de tourner le Réel Chine, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire. Je vais aussi reprendre le brief que la marque m'a envoyé par mail. Bon, j'ai répondu à la plupart de mails, envoyé quelques previews, il m'en reste encore pas mal de taf à faire. Et ça va être bientôt l'heure de manger, il est midi moins 10, du coup je vous ai posé en story la question de qui allait faire à manger. Un roulement de tambour. Ah, j'ai l'impression que c'est Victor. La joie se lit sur mon visage. Non mais c'est surtout que j'ai beaucoup de taf encore et ça m'aurait pas trop arrangé. Franchement, je dirais que la répartition des tâches, en tout cas pour le repas surtout, c'est 50-50 parce que dès que lui il est occupé, qu'il a des rendez-vous, s'il est en train de faire un truc, moi spontanément je vais faire à manger et lui pareil, s'il voit qu'il est bientôt midi, que je suis toujours dans mon bureau, que j'ai plein de trucs à faire et tout, bah il va faire à manger de lui-même. Et il est actuellement midi 55, j'ai pas chômé, franchement je suis assez contente pour pendant que Victor termine de préparer à manger grâce à vous.
Je vais du coup imprimer mes petites étiquettes. Je vais imprimer mes petites étiquettes parce que j'ai vendu quelques articles sur Vinted. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous afficher mon Vinted juste ici si ça vous intéresse. Je vends assez régulièrement dessus et je donne aussi beaucoup. Je vais aller emballer le petit colis et on est bon. Allez, on va aller manger là. Bon, il est actuellement 16h. En fait, on a eu un cours d'éducation à domicile avec Sky et l'éducatrice avec laquelle je travaille depuis le mois de janvier. Voilà notre petite mère, on arrive vraiment sur la fin des cours. Là, c'est le dernier cours à domicile qu'on avait, donc il y avait très peu de choses à revoir. Mais là, elle a appris à « va dans ton dodo » et à rester dans son dodo. Regardez-moi comme elle est belle, un loup qui reste au dodo. On se retrouve après le cours d'éducation de Sky. Et juste avant de manger ce midi, j'ai passé une petite commande sur Pretty Little Thing. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà commandé sur le site, mais j'en ai entendu que du bien ces derniers temps, donc voilà. Et avant de passer ma commande, je vous ai juste montré la commande et je vous ai demandé si j'ai acheté ou pas. Et en majorité, vous m'avez répondu oui. Entre temps, je me suis changée. Oui, parce que je l'avais pas vu, mais lorsque j'ai regardé le sondage pour ma tenue vestimentaire, vous avez validé la tenue 3. Donc celle avec le jean et le chemisier. Et là, en fait, quand j'ai re-regardé un peu plus tard, c'est que ça se joue entre la tenue 2 et la tenue 3. C'est ce qui se rapprochait le plus de la tenue avec le pantalon bleu qui est quasiment le même. Ouais, je vais encore travailler une petite demi-heure, une heure. Et ensuite, je vais aller rejoindre des amis pour aller boire un verre à la plage. Ce sera l'occasion de vous faire participer à de nouveaux sondages concernant le choix de ce que je prends d'avoir, ce qu'on peut faire, etc. Ça peut être marrant aussi. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bah, notre petite. Bon, je vous retrouve dans une nouvelle journée. On est le lendemain du jour où j'ai tourné la vidéo. Instagram contrôle ma journée pendant 24 heures. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce concept vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis vraiment amusée à le faire. Je trouve que c'est un bon moyen aussi de sortir un peu de sa zone de confort et de se pousser à faire des trucs qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Donc voilà, je m'excuse pour cette fin de vidéo puisque hier soir, comme vous avez pu le voir, j'étais au restaurant avec des copines et du coup j'ai voulu profiter un petit peu de ce moment avec elles. J'ai un peu oublié de vous filmer la fin de cette vidéo. Puis après le restaurant, j'avais pas non plus énormément d'autres choses à filmer puisqu'on est sorti du restaurant assez tard. Je suis rentrée aussi assez tard chez moi. Mais j'espère quand même, encore une fois, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour encourager ce type de format. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo. Et voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.